Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue! Bienvenue dans un petit épisode bonus de WebEd pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble l'arme ultime des fourmis contre les fourmis rouges dans WebEd alias Philosophie avec Magali! Magali! L'amigale, bonjour! Absolument imbloquable! Les mandibules sont fixées, l'eau est alimentée. L'essence, le propergol est à l'arrière. Ce qui lui manque, c'est des pattes. Il lui manque trois pattes. Il lui manque tout le côté latéral. Donc, ce qu'on va faire, c'est affixer ça. Hop. Ouais. Bah merde alors. Ça compte. On a placé une des pattes de la fourmi méca. Il nous en manque deux autres. Où sont les pattes de la fourmi méca? Pourtant, on a réactivé la forge, on a réactivé l'eau, on a tout réactivé, si tu veux. Où est-ce qu'elles les ont foutues, ces connes? Me dis pas qu'elles sont en quartier résidentiel, ce serait quand même honteux. Hein? Ce serait honteux! C'est trop bien que tu puisses dire bonjour aux autres petites créatures, c'est tellement adorable. Bonjour. S'en bat les couilles. Bien le bonjour. Si, il te répond, c'est adorable. Hop. Oui. Pardon. Bien le bonjour. Très bien. Hop. Là, il y a de la flotte. Ça met nous, ça. Oui. On va tomber sur des trucs absolument horribles et inacceptables que j'aurais jamais dû révéler ou comprendre. Et... Le syndrome de la guerre du Golfe. Y'a pas eu de golf, si. Le jardin du golf, là où il y avait les trous et les boules. Pardon. Ma figure préférée, c'est le Oli. Pourtant, je suis pas fatigué, tu piges. Oli, voilà. Mademoiselle! Oh! Hé! 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 Bien ou bien? Je suis skateboard. Vas-y, j'essaie d'apprendre le skate. Et sur la motive, mais pff, ça va rien. Je te jure, c'est des balles train que tu montres. De la balle! Allez, barrez-vous les gonzesses, là, hein. Je vous dis, c'est rien que des baltringues. Je suis à chier. Et mademoiselle. Accident surtout. Aïe. Ah non. Ah non. Si c'est bon. Bro. Ah. Oh.
nice rattrapage, bro. C'est grind, bro. Oh la vache. Oh là 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 là, ces mouvements incroyables. Ah oui, le dernier B du coup. Ah le voilà. Skater fever. Sick flip, bro. Facile, bro. Mamazelle. Oh, t'es trop forte. Zarma. Merci. Tu veux être mon ami? Vas-y, va, dégage, la bâtard. Quelle personne charmante. Et du coup, je suis Keblo. Tant pis. Non, c'est à vous, c'est garanti, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu cherches? Non, juste un truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toutes? Vas-y, dégage de là, bâtard. Oh, d'accord. Ok, c'était fantastique. Petite interlude colorée. Mais voilà. Mais du coup, ça nous avance pas. On a toujours pas les trois pattes et tout. On est pas bien là, en fait. Mille merci, Carla. Les fourmis des quartiers résidentiels pourront s'hydrater comme il faut. Ah, vous aviez soif? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, camarade. Désolé si j'ai l'air distraite, c'est juste. Il semblerait que quelques larves aient disparu dans tout ce chaos. Les fourmis rouges nous ont dispersés, on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour partir à leur recherche. Pourrais-je jeter un œil à la fourmilière et voir s'il y a des larves cachées? Oh, t'as déjà trouvé! 6 sur 18! Merveilleux. Une crèche des fourmis, très bien. Alors c'est fantastique, mais ça m'avance pas. Ouais, ça c'est nos ponts, donc ça m'avance nulle part. Ça, ça mène au terrain de skate. Avec les mamazelles. C'est un plaisir de se déplacer, hein, je tiens à le dire. Alors du coup, ça c'est chez elle. Mais où sont les pattes? Ah, ingénierie peut-être. Technique, d'accord. Ouh là là. Ok, il veut qu'on lui apporte quelque chose. Mais... Ah!
Well, you know what? Well, excuse me, princess. Voilà une autoroute. Ah, une patte. Comment on débloque ça? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Il me manque quelque chose pour comprendre. Là, il y a des rouages, il y a des choses. Lui, je sais pas ce qu'il veut. Là, il y a un rouage, mais il ne tourne pas si je le fais là. Je me faisais chier pour rien. Ok, très bien. C'est pas facile, hein. Faut pas croire. C'est confortable, c'est facile à jouer, c'est super. Mais les énigmes sont pas si évidentes que ça. Non, tant pis. Ok, ça par contre c'est facile, on le ramène. Ça. Oui, bien, très bien. Voilà. Et voilà. Excellent. Je suis une petite mygale industrieuse. Excellent, je sais pas ce que tu vas en foutre, mais écoute, bonne chance, hein. Ah. Voilà, très bien. Doucement, voilà. Voilà. L'important, c'est d'être méthodique.
Okay. Impeccable. Oula. Ok. Aha. Nous avons une patte supplémentaire. Génial. Mais barrez-vous. Zarma, tu cherches ? C'est déjà assez dur d'être une mygale sans pour cause en plus. Ces connasses me barrent la route. Bon. Passer par l'ascenseur de service. Voilà. Là. Ça a intérêt à valoir le coup, ta merde, hein. Je te préviens, Roger. Là. Deux pattes. Sur trois. Ok, là ça dit je sais pas. Oui, je sais pas, c'est fait. En tout, directement en dessous, il y a encore un point d'interrogation. Hein. C'est assez démoniaque. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Il en manque qu'une. Si je descends là, où suis-je? Je suis là. Ça dit qu'il y a un point d'interrogation ici. Allez, du coup, je passe là. D'accord. Le problème, c'est apparemment par la droite, j'ai envie de dire. Parce que vous voyez, il y a tout un système qui mène à des conduits, à des fours et à des trucs, là. Et je me demande. Hein. Je me demande. Parce que là, c'est les quartiers d'habitation. Oh putain, on pouvait faire ça! Depuis le début du jeu, on pouvait faire ça! Mais d'accord! Et on a des papiers! Ah, on a tout! Tout s'explique! Ah bah oui, bah évidemment, bah je le savais pas, je m'excuse. Tous ceux qui ont regardé la première vidéo et qui m'ont détesté. Bah du coup, on va faire gaffe. Ok, les rochers. Ah tiens, j'ai pas vu ça. Ah bah voilà, on a découvert un autre endroit. Bah
Très bien. Ok. Donc lui, il veut des choses. On t'avait dit de tirer dessus en plus. Ah bah oui, mais si vous faisiez du backseat, moi j'ai pas fait gaffe. Hein. D'accord. Donc du coup, on peut sauver les larves. Et ça, c'est bien. On va pouvoir sauver les larves des fourmis aussi. Ça, c'est beau. Alors du coup. Stable et neuf. Il s'agit de le faire redescendre. Parfait. Comme quoi, vous avez vu, tout se goupille. Hop là, c'était la troisième patte. Est-ce que j'ai tout eu ici? J'ai tout eu ici samedi, excellent. D'accord. Voilà. Voilà. Donc là, pas mal. Ici, dans cette zone, il y a encore un ver à soie. Ah non, un cyclapate, d'accord, j'ai pas fini de la transporter, je vois. Le travail n'est jamais fini. Ah d'accord, non, c'est la même chose. C'est la même chose que l'autre, ok, ok, je vois. Je vois. Hop. C'est pas grave. Hop. Allez. Hop. Pas mal. Plus qu'à espérer que maintenant j'ai les moyens de faire ce que je veux. Voilà, c'est pas mal ça. Mais boss! Voilà, merci! Quand même! Je sais que c'est trop lui demander, mais quand même, ce serait dommage! Bon. Ah là! Très bien. Ok, et la map dit qu'il y a encore un endroit en dessous de ma position, donc allons-y. Allons-y. Pardon. Voilà, par là. Voilà, c'est ça. Voilà. Hop. Une lame supplémentaire. Du coup, voilà, c'est quasiment tout réparé. Pas mal, excellent. Oui, bon, ça va vite, hein, finalement, de rattraper notre retard. C'est pas les plumes de Assassin's Creed 2. Ah!
Excellent. Ok. Hop, voilà, dans la fonderie, je sais qu'il y avait des choses à récupérer et je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est là. Impeccable. Là, là, voilà. Ok. Ouh là là. Hop là. On sauve une larve des flammes. J'en suis un pompier. Comme dans le film que j'avais vu, où le pompier à la fin est tiré des grandes cordes. Impeccable. Allons-y. Voilà. Excellent. Au-dessus de notre position, il y a potentiellement une larme en plus. Ah, mais il y en a d'autres aussi. Ah, mais elles sont vraiment partout, en fait. Hein. D'accord, bon. On va se contenter de récupérer celle, déjà, de la zone de droite. Et puis après, on ira les rendre à la gentille dame. Après tout, tout est un processus. Et en tout, il dit, il y en a combien? Il y en a 18. Ok. Je peux descendre de là. Ouais, je peux encore descendre. Ah! Ouh, double là. Gagner, mon gars. Double larve. Il faut remonter. On peut pas accéder à la grande caverne. Non, il faut revenir à la salle centrale des machines. Ouais, je vois. Il faut revenir à la salle centrale. Voilà. Là. Ça va vite, hein. Rester d'abord. Paraît-il qu'ici il y a une larve. Alors j'avais déjà récupéré celle qui était planquée là. Là, voilà. Excellent. On l'a, on la tient. Ça fait 15. Oups. Voilà, c'est bon, ça marche. Ah! Tant pis. Ah! C'est pas grave. Dommage. Bon. Plus qu'à patienter. C'est quoi? J'en profite pour boire un coup. Ah, mais à ce rythme, dans 5 minutes, on a tout. Bien sûr. On est bien, on est bien. Très bien. Et on va pouvoir voir à quoi ressemble la fourmi rouge du mal. Ça, c'est fantastique. Ah oui. Problématique, c'est pas
Et là, je suis dans une pièce où on a tout, mais il faut que je descende encore de deux parties. Très bien. Allons-y. Ok, très bien. Donc ici, il y a des choses à récupérer. Ouais, il y a une chose à récupérer ici, mais il y a une chose à récupérer dans une pièce encore en dessous. Donc on va d'abord aller dans la pièce en dessous, puis on remontera. Sans doute par là-bas. Non. Rien du tout. Ah. Hop là. Voilà. Excellent. Quand t'as ici, c'est forcément... Ah ! J'allais dire, c'est forcément du côté gauche. Le voilà. Excellent. Bable ! Du coup, on peut remonter du côté droit, même pas. Hop là, c'est bon. Tac, 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 ça sévit, c'est fait. Et où suis-je ? Je suis où ? Qu'est-ce qui se passe ? Dieu merci, tu es là. Les fourmis rouges ont causé de vilains dégâts ici. Heureusement, le pont-levis les a empêchés de s'en prendre au quartier résidentiel, mais ils ont endommagé le mécanisme. Tu peux m'aider ? D'accord. Somme toute assez simple. Voilà. Maintenant que j'ai compris comment marche la mécanique des fils, si tu veux, et de tout le reste. Voilà. Voilà. Boop. Facile. Excellent travail. Maintenant que le reste de la colonie peut passer, on va pouvoir commencer à remettre l'endroit en état. Très bien. Ouais, clairement, l'endroit a besoin. Du coup, je suis pièce centrale. Et on a tout récupéré, je suis dans le quartier résidentiel, excellent. Ce qui veut dire, très bien, donc eux ils ont de l'eau, ils sont bien hydratés. La nurserie, on va rendre les larves. Rebonjour, t'as trouvé des larmes ? Merci. Malheureusement il en restait une dernière. Merde. Putain, elle est où ta dernière larve ? Non, mais me dis pas qu'elle est à l'entrée. Fine ! Très bien. Sortie. Ah, c'est à partir de là, il y a moyen de rejoindre un autre truc. Ok, à gauche. Hop là. Ok. Merci d'avoir apporté ton aide. Donc ça, ça veut dire que ça a marché. Ça mène où ça ? On a déjà. On a déjà. Câble, mais tant pis. Hop là, voilà. Ok. Très bien, ok, pourquoi pas, très bien.
J'ai les 18 larves, donc je pense que les autres points d'interrogation sur la map sont d'autres trucs qui sont liés à d'autres quêtes. Sans doute liés à d'autres créatures, les abeilles ou des trucs comme ça. Ça ferait 1000 fois plus de sens. En tout cas, je suis content d'avoir aidé les fourmis. Les fourmis, elles sont sympas. Les fourmis sont nos amis. Voilà, madame. Elles sont toutes là. Magnifiques. Nous te remercions beaucoup pour ton aide. Ces larmes pourront grandir en sécurité dans la fourmilière, à l'abri des attaques des fourmis rouges. Help! Yeah! Je suis Magali. 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 La fourmi. Non, la migale. Ah. Et je m'appelle Stéphanie. Stéphanie la fourmi. Excellent. Pogchamp, hein. Bah, je dis content. Moi, tu sais quoi, je me sens mieux. En tant qu'être humain, je me sens mieux, tu vois. J'ai aidé les larves des fourmis. Ça veut rien dire, mais c'est gratuit. Hop là. Alors, ah oui, c'est vrai, il y avait cette merde aussi. Ouais, parce que aider les larves, c'est bien 5 minutes, hein. Aider les femmes et les enfants, mais à un moment, on veut du militaire. Allez. Les fourmis, on aime le militaire. Ah oui, pour la guerre. Oui, la guerre. Allez. Ok, on y est presque. Soldats, vous êtes prêtes ? Gundam ! Pourquoi vous gueulez ça ? Je sais pas, j'avais envie. Oui! T'as l'air en forme, camarade! Viens pas ici qu'on va papoter, là! Il veut me casser la gueule! Adieu! C'est trop bien! Minute, camarade! Le bataillon fait sa sortie! Ah! Voilà! Voilà! Oula. Quel spectacle magnifique! Camarade araignée, pour te remercier des services rendus à la nation, on te nomme membre honoraire des fourmis ingénieurs. J'ai aussi envoyé des ouvrières pour t'aider dans ta mission à la surface. Elles vont remettre ta montgolfière en état moins de 2. On paie! Voilà. Alors, du coup. Oh oui. On aurait tué des bébés araignées par ici. Les petites ont eu peur quand le gros oiseau a volé vers nous, elles sont dispersées dans toute la forêt. Si t'en trouves, ramène-les-moi, s'il te plaît. Elles sont trop jeunes pour être livrées elles-mêmes comme ça. 40 bébés araignées loups. Ah. D'accord, donc, et ça, c'est une ruche. Et ça, à gauche, je sais pas ce que c'est des coccinelles. On veut aller à droite, hein. Pardon. Où c'était ça? C'est tellement con. Un vrai meilleur jeu. Hein.
Bonjour, camarade ingénieur. Je suis Vlad, la machiniste assignée à ton aéronef. On est bientôt prête à partir pour le grand voyage. Les plans sont là et on a du pain sur la planche. Rustine, moteur, nid de bite, aile d'araignée, forme de pilotage, plateforme de pilotage et carburant. Eh ben... Voilà, reste de la liste des choses à vérifier avant le vol. LSBLS, carburant, à l'ouest, fixer le moteur, sécuriser la fixation. Si tu rencontres des problèmes, fais sonner la cloche de travail et on recommencera tout à zéro. Ah, tout s'explique. D'accord, donc c'est build yourself. Il faut que tu fasses ta propre fusée, voilà. Où sont les abeilles? Salut petite araignée, j'ai une quête pour toi. La reine voudrait donner en naissance une naissance à une princesse afin de créer une nouvelle ruche. Pour ça, il faut du pollen, fabriqué de la gelée royale. Et entendu, il faut une meilleure, du pollen d'orchidée rose. 20 grains devraient faire l'affaire. Si tu lui amènes ça au pic de la canopée, elle va t'adorer pour sûr. Alors à toi de jouer. Tu es mon ami, je suis Magali la mygale. Pic de la canopée, 50 mètres. 50 mètres ? Ça a pas l'air, hein, mais quand t'es une araignée, 50 mètres, c'est loin, hein. Mètres. Eh ben, il y a de la route, hein. Et voilà. Bonjour mademoiselle, toi aussi tu fais la quête pour le pollen? J'espère qu'on en aura assez, j'ai hâte de voir la nouvelle princesse. Mais c'est fatigant de devoir voltiger dans toute la forêt. Passe devant, je te rattraperai plus tard. Oh, très fatigué. Une de mes toiles. Je parie que tu trouveras jamais la prochaine. A plus. Et ouais. C'est la dure loi de la jungle, salope. Bon, allons-y. Le pollen! Fais voir la carte. Que dit la carte? La carte dit que j'ai raté du pollen à l'infini. Putain. En vrai, ce serait la classe de pouvoir le récupérer au fur et à mesure et d'aller voir directement ce que ça fait. Je pense pas qu'on aura le temps dans cet épisode. Moi, je veux voir la reine déjà. Je veux voir la reine. Ça, c'est garanti. Tout va bien. Je pense que quelqu'un pourra faire une compile de tous mes cris de mort, hein. De tous les ah comme ça. Je pense qu'elle va durer 20 minutes. Hein. Ah. 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 Ok.
Ça joue safe, c'est honteux. Oups. Ça me rappelle un peu Mickey World, hein. Mickey Mouse dans Magical Adventure, hein. Tu pouvais passer tout le niveau en faisant ça en dessous et c'était stylé. Ah voilà. Ok. Pic de la canopée, 35 mètres. Tiens! Allez! Ça c'est gratuit. C'est un processus. Ouf. Hop, 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 hop. Voilà. Ah d'accord, c'est pour revenir. Ok. 22 mètres. Pouf. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. C'est fantastique, hein. Honnêtement, ce jeu est incroyable. Je regrette vraiment pas de l'avoir découvert. Ça a l'air d'être un collectathon un peu aussi, mais... C'est par là? C'est par là où je me suis perdu. Ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être par là, hein. Hop, impeccable. Ben voilà. Hop, hop là. Ah non, Able.
Non. Trop bien. Ok, très bien, excellent. Est-ce qu'on y est là bientôt là? Je sens qu'on y est, je sens qu'on approche, hein. Je veux pas dire, mais. Pic de la KOP, 12 mètres! Eh, blip! Magali! L'amidale! Oula! Pic de la KOP 5 mètres, on y est! On y est, c'est des aventures folles, mais on y est! Je te tire! Hop là! Putain, je te vois! Hop là! 18, hein! On était pas loin! Hein. On était pas loin de toutes les avoir, hein! Tant pis! En même temps, on a aucun moyen de savoir si c'était du pollen ou autre. Tant pis, découvrez vous-même à quoi ressemble la princesse des abeilles. Ah! Oh, 19 là! Putain, c'est vrai que l'histoire c'était Paris-Marseille un peu, j'avoue. Quel dommage. T'es sûr, pas une plante en plus qui traîne là? Ah. On peut regarder, on peut jeter juste un œil. Hein. Si elle te dit que t'as pas assez de problèmes, mais j'ai pas assez de problèmes, il m'en faut 20. C'est ça qui est navrant. Ah, c'est pour ça que j'essaie désespérément d'en trouver une dernière, mais... Si elle vaut pas le coup, j'aurais quand même le seum. Hein. Je tiens à le dire. J'aurais ce qu'on appelle une version avancée du seum. Ah oui! Thank you.
Magalou, l'amigale. Ouch. Voilà. C'est un chemin quand même qui est bien rodé, hein, faut pas déconner. Ah, t'as chier. C'est pas stable. J'ai essayé de faire une route, mais j'ai pas réussi. Ça, c'est stable. Ah bah voilà. Excellent. Et c'est la petite araignée. On m'a dit que tu nous aidais pour la quête du pollen. Si t'as les 20 grâces, tu peux entrer. La reine t'attend. Oh oui! Je demande audience. Je suis Magali, l'amigale, et je viens en paix. Allons-y. Bienvenue dans ma ruche, jeune araignée. J'ai entendu parler de tes exploits. As-tu amené le pollen pour la gelée royale de la princesse? Merveilleux, cette gelée sera très efficace. La nouvelle princesse sera superbe, à n'en pas douter. Je te prie de patienter un instant, le temps qu'elle soit prête. Je suis sûr qu'elle sera ravie de faire ta connaissance. Et... admirez! Voici votre princesse! Comme elle est belle! Quelles ailes puissantes! Merci à toutes pour votre dur labeur afin de préparer ma gelée royale. Chères araignées, enfin, chère araignée, je suis une migale. Ma mère m'a parlé de mes aventures pendant que j'étais dans mon alvéole. Tu prévois une mission de sauvetage vers une île enchantée dans le ciel, n'est-ce pas? C'est justement le voyage dont j'avais besoin pour déployer mes nouvelles ailes. Viens avec moi, je te ramènerai chez toi et t'aiderai à préparer ton voyage. Je suis Magali la migale et je vole. Buzz, on a dépassé la voiture. C'est trop bien. Mais elle vole tellement loin. Ah. C'est donc la montgolfière qui doit nous permettre d'atteindre l'île enchantée dans le ciel. Elle n'arrivera jamais à destination dans cet état, laisse-moi te la réparer. Et voilà! Il ne devrait plus y avoir de problème maintenant, les rustines de cire sont parfaitement étanches. Elle a tissé partout! Bit, Bit, est-ce que t'as vu ça? Bit la grosse mythe! Elle a tissé partout! Oui, c'est ça qui est bon! Eh bien écoutez, parfait, braves gens! Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout de WebEd, alias Philosophie, et je vous invite vous-même à tester le jeu et à vous amuser avec, parce que, sans déconner, c'est quand même incroyable! C'est quand même incroyable. Enfin, la qualité du truc, voilà. Faut. Des jeux comme ça, on en veut 10 millions, tu vois. On en veut 10 millions. Est-ce que ça se... Ah non, ah! Thank you.
Ça travaille dur. Voilà. Ça c'est stable. Stable. Voilà, c'est ça qui est bon. Et ben voilà. Hop. Vous avez vu ça un peu? Ce système de fou. Bon, il nous manque de quoi l'attacher à la plateforme. Il manque des tas de choses, si tu veux. Mais en vrai, on est plutôt pas mal. Hein. En vrai, on a une vraie... une vraie montgolfière, là. Il nous suffit plus que d'avoir du carburant. Et on est bon, sans déconner, on est bon. Eh oui. Voilà, c'est ça qui est bon. Merci infiniment, brave Jean. Oublie pas les skins, Bob. Quel skin? Comment ça, les skins? Y'a des skins? Wouah! Sick moves, bro! Sick moves! Excellent. Voilà. Hey, j'ai rendu les araignées. Et voilà. C'est trop bien foutu. Ce jeu est juste trop bien fait. Oh oui! J'ai un chapeau! J'avais pas remarqué, voilà ça. Et enfin. Ce jeu qui continue à te surprendre quand même. Hein. Ce jeu qui continue à te surprendre. Hein. C'est fou. Et bah écoutez, brave Jean, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était, Webed alias Philosophie avec Magali l'Amigale, Rémi la Fourmi, Gisèle l'Abeille et je me souviens plus des autres noms. Voilà, c'est ça qui est bon. J'espère en tout cas que vous avez apprécié aussi le moment de calme autant que moi. J'avoue, hein, c'était tout calme, c'est tout mignon comme jeu, mais c'est garanti. Hein. Et bien sûr, beat la mythe, évidemment. Garanti. Et beat la grosse mythe. Beat, B-E-A-T, bien sûr. Par rapport au rythme. Le rythme des battements d'ailes, des papillons de nuit, bien sûr. Évidemment. Dans tous les cas... Je vous remercie infiniment, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Ah, misère.